Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Joxbox TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, ce sera pour débloquer une carte de visite secrète. Donc je vais vous expliquer ce que vous devez faire. Je vais vous expliquer comment on l'a découverte. Parce que bon, bien sûr, il y a un code à rentrer que vous devez rentrer sur le site de Call of Duty. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Donc pour votre information, là je suis sur YouTube, je suis sur la page YouTube de Treyarch et ils ont sorti le 6 octobre une vidéo qui résumait un peu tout ce qu'il y avait de nouveau dans la saison 6 de Cold War et de Warzone. Et il y a des petits indices à retrouver qui va vous donner un code, je crois, à 12 chiffres que vous devez ensuite rentrer sur le site de Call of Duty. Mais fallait quand même chercher. Bon, après, quand vous regardez, si vous êtes attentif, vous allez voir les codes qui vont s'afficher. Mais c'est vrai qu'ils ne mettent pas le code entièrement, ils mettent le code en trois fois. Donc je vais vous montrer juste comment ça démarre la vidéo et après je vous montrerai où trouver ces codes. Après, vous pouvez regarder directement sur Treyarch la vidéo. Donc voilà, ça c'est la vidéo, hein, ça commence comme ça. Je pense que peut-être ce menu est accessible ailleurs que sur la vidéo. Bon bref, on va passer. Donc voilà, là il y a marqué Welcome, Warzone et Narrative, ok. Je vais passer jusqu'au moment où on voit les codes. Donc voilà, là je suis à 4 minutes 50 de la vidéo. Regardez, bon après je vais pas vous faire un zoom, mais bon. Regardez en haut à droite, vous voyez le début d'un code. Il y a marqué 1 sur 3. Donc il y a marqué secret à côté. Donc peut-être qu'il voulait montrer vraiment que c'était... C'était un nouveau secret, donc c'est une carte de visite secrète. Donc il y a marqué KV, KJ. Donc voilà, ça c'est le début du code. Donc voilà, là je suis à 16 minutes 7, je me suis un peu décalé parce que sinon vous n'allez pas voir. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo. Juste en dessous de moi, là que vous voyez, là il y a aussi un code MQX32. Donc ça c'est la partie du code qui se trouve au milieu. Et maintenant, on va rechercher la dernière partie du code. Donc, pour la dernière partie du code, je suis à la 30e et minute et 54 secondes. Vous le voyez juste ici, là. 4BLT. Donc, voilà. Donc, on a le code complet. Du coup, je crois qu'il y a 4 et 4, 8 et 5. Je crois, si je me trompe pas. Ce qui nous fait 13, 13 chiffres et lettres à mettre comme code. Donc le lien, c'est le Call of Duty Redeem pour entrer votre code. Donc rendez-vous sur le site de Call of Duty. Je vous mettrai bien sûr le lien en description pour que vous puissiez y aller facilement. Donc me voilà sur le site de Call of Duty. Il va falloir vous connecter. Pour vous connecter, soit vous pouvez le faire par votre console, soit vous pouvez le faire par vos identifiants Call of Duty. Moi j'ai un petit problème, j'ai fait la double authentification et vous savez on a un code qu'on obtient sur téléphone que j'ai pu accéder, donc du coup je vais le faire par un autre de mes comptes. Donc voilà, je viens de rentrer le code, donc le code KV-KJ-MQX32-4BLT. Donc submit, hop. Et là, voilà, j'ai débloqué la fameuse carte de visite. Donc, Pawn Take, Pawn Calling Card, donc carte de visite. Voilà, c'est un des chiffres nombres, le 16. Donc, c'est la carte secrète. N'hésitez pas à le faire rapidement, hein, parce que bon, au cas où, elle serait plus disponible plus tard. Ensuite, une fois que vous l'avez débloquée, vous pouvez directement aller sur votre jeu pour la mettre. En tout cas, moi, je la trouve assez stylée. Bon, elle reste quand même simple. Mais au moins vous aurez une des dernières cartes de visite. Surtout que celle-là elle est sortie logiquement il y a 3 jours. Vu que la vidéo de Treyarch est sortie il y a 3 jours. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker et activer la cloche de notification. Et on se retrouve bientôt sur le jeu.